Sophie a dit oui et tu l'as contredite. Eh oui, vous avez écrit le mot « la »,« elle », »,« a ». C'est la forme correcte de l'article défini au féminin singulier. Le fromage, masculin singulier, la voiture, féminin singulier. Mais alors, quel est le problème avec votre « la » dans « et tu l'as contredite » C'est que la phrase est au passé composé. Elle l'a dit oui. Mais où est donc passé le passé composé dans « la contredite » Écrivons donc le verbe « contredire » au passé composé. Tu as contredit. Ajoutons-y Sophie sous la forme du pronom personnel « la », tu l'as « a » contredite, et réduisons le pronom pour éviter le contact des deux voyelles. Ce qui nous donne « Sophie a dit oui et tu l'as contredite ». Et voilà, une faute de moi aujourd'hui.